François Pesant, je suis photojournaliste, je suis basé à Montréal. Je fais ce métier-là depuis 2008. Pourquoi ce sujet-là en particulier? Ben, en fait, c'est un foyer pour femmes autochtones qui est à Montréal. C'est un foyer qui aide les femmes autochtones en difficulté. Donc, c'est des femmes qui viennent de différentes communautés, souvent qui fuient la violence conjugale ou différents problèmes sociaux. Ils se ramassent à Montréal, puis souvent vont se ramasser dans la rue, vont dépendance aux drogues, plein de choses comme ça. Puis le foyer, ce qui je trouve intéressant, c'est qu'il combine des méthodes de guérison plus conventionnelles avec des méthodes traditionnelles. Donc, ça permet aux femmes de reconnecter souvent avec leur culture, parce qu'en plus de rencontrer des médecins, des travailleurs sociaux, aller à des meetings d'alcooliques anonymes, des choses comme ça, elles vont aussi avoir des rencontres avec des anciens, des séances de sudation, des séances de prière. Donc, ça leur permet vraiment de reconnecter avec leur culture. Je trouve que c'est une façon intéressante de parler des problèmes sociaux des communautés autochtones avec un angle aussi plus positif, de montrer que leur culture peut aider justement à guérir certains problèmes. Et comment avez-vous fait pour avoir leur confiance? C'est pas évident quand même, c'est un monde fermé. Oui, ça a été beaucoup de démarches pour réussir à avoir accès à ce foyer-là. J'ai dû écrire des lettres, faire différentes rencontres. Mais une fois que j'ai eu l'accès, la directrice est vraiment géniale. C'est une femme qui est vraiment dédiée à son travail, à son foyer, en fait. Avec elle, ça a été super bien, avec les employés aussi. Puis les patients du centre, ça dépendait. Certaines étaient très ouvertes, voulaient se faire photographier, raconter leur histoire. D'autres ne voulaient pas, donc je respectais ça. Celles qui voulaient, ben, je travaillais avec elles. Celles qui ne voulaient pas, ben, c'est leur choix, là, donc je respectais ça entièrement.